Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une recette de flan. C'est parti! Voici donc les quelques ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Donc je vais mélanger les 2 sachets de sucre vanillé avec les 100 g de sucre. J'installe le batteur, les 4 œufs, les 100 g de sucre avec le sucre vanillé et les 80 g de maïzena. Je lance en manuel vitesse 6 et après 30 secondes, je rajoute le litre de lait et la cuillère à café d'arôme vanille. Je vais ensuite laisser le mélange à vitesse 6 se faire jusqu'à 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, voici le résultat, donc un mélange encore assez liquide. Et je lance maintenant la cuisson vitesse 5, 90 degrés pendant 15 minutes. Et c'est déjà quasiment fini, donc une recette très simple et rapide à préparer. Au bout de 15 minutes, voici le résultat. La préparation a déjà bien épaissi. Je vais la laisser refroidir quelques minutes, 5 minutes maximum, avant de la verser dans un plat avec une pâte sablée. Une pâte sablée maison, bien sûr, c'est incomparable. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et dans les commentaires. Donc voilà, la préparation dans le moule. Il ne reste plus qu'à enfourner. 40 minutes, 20 minutes à 200 degrés, puis 20 minutes à 180 degrés. Le flan ne va dorer qu'à la fin de la cuisson. Et voici le résultat obtenu. Je vous conseille vraiment d'attendre le lendemain avant de déguster, tout simplement parce que vous voyez la texture obtenue est absolument parfaite. Et puis le goût du flan est bien meilleur le lendemain. Et voici donc le résultat. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!